Le Conseil des ministres de la Communauté de l'Afrique de l'Est a approuvé la République démocratique du Congo comme l'un des 16 États membres. Cet élargissement de l'EAC à la RDC représente une opportunité importante pour tous les partenaires concernés selon des observateurs. Par ailleurs, les autorités de la région indiquent que l'admission de la République démocratique du Congo dans le marché commun de l'Afrique de l'Est crée une augmentation importante du nombre de consommateurs, passant de 180 millions de personnes à 270 millions. Le Kenya renforce la sécurité nationale après des avertissements de plusieurs ambassades étrangères contre d'éventuels risques d'attaques terroristes dans la capitale de Nairobi. Par ailleurs, le porte-parole de la police nationale a assuré au public que la sécurité a été renforcée, en particulier dans les villes, pour assurer la protection des Kenyans et des infrastructures critiques. Également, la police kenyane a exhorté les citoyens à rester calmes et à partager toute information sur des activités suspectes avec la police. Le Conseil souverain du Soudan accuse les ambassadeurs étrangers d'ingérence politique. Selon le Conseil, certaines missions diplomatiques à Khartoum mènent certaines activités qui vont à l'encontre des normes diplomatiques et violent la souveraineté du pays. D'après les autorités militaires du pays, l'armée subit également des pressions en raison de l'usage excessif de la force contre des manifestants pacifiques lors de rassemblements de masse après le coup d'État exigeant un régime civil. Les autorités rwandaises annoncent la réouverture de la frontière avec l'Ouganda afin de mettre fin à une impasse de près de 3 ans qui a affecté les économies des deux pays, selon les autorités. Cette réouverture intervient par ailleurs après une période de diplomatie tranquille au cours de laquelle le président ougandais Yoweri Museveni a dépêché des émissaires pour négocier avec son homologue rwandais Paul Kagame sur cette réouverture ainsi que sur l'amélioration de leurs rapports. En Éthiopie, environ 5000 personnes sont mortes de malnutrition et de manque de soins dans le Tigré en seulement 4 mois 2021, dont plus de 350 jeunes enfants, indique un nouveau rapport du bureau sanitaire de la région. Les décès sont selon le même rapport en grande partie dus à la malnutrition, aux maladies infectieuses et aux maladies non transmissibles. Le système de santé de la région a par ailleurs été largement détruit par le conflit qui a éclaté en novembre 2020.